Alors, je ne sais pas si la première règle, quand on arrive dans une salle, ou quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, la première règle, c'est de se présenter. Qui suis-je? Sincèrement, je serais une grosse menteuse si je vous disais que je me connais parfaitement bien et que je peux répondre à cette question. Qui suis-je? C'est pas par hasard que la maïeutique existe. C'est pas par hasard que Socrate, elle avait dit: connais-toi, tu connaîtras le Dieu et l'univers. C'est pas par hasard que les philosophes se sont tous penchés sur cette question d'identité aussi. Qui suis-je? Ça semble facile et simple pourtant de se présenter. Et on croit être beaucoup de choses finalement. Mais on est vraiment très peu de choses. L'essentiel ou le mot interne tient en peu de choses. D'ailleurs, ce n'est pas que les philosophes qui se sont penchés sur cette question identitaire, mais qui suis-je? Il y a les philosophes, il y a les artistes, les cinéastes, les écrivains. J'aimerais passer une vidéo qui est prête pour vous dire. Il y a aussi les guides spirituels se sont penchés sur la question. Ça, je fais référence à ma propre quête. Je suis sur le chemin, je ne suis pas encore arrivée. Et donc la vidéo va expliquer la complexité de dire qui on est. Thank you.
la complexité de la chose. Pourquoi j'ai choisi de parler d'identité et de qui on est? Parce qu'en parlant de réussite, en parlant de futur, les gens qui ont réussi ont ça en commun. Ils savent parfaitement qui ils sont. Et je vous expliquerai par la suite qu'est-ce qui fait qu'une personne qui se connaît parfaitement peut réussir dans sa vie. Je partagerai aussi avec vous un exercice que je fais normalement, c'est lors de la première séance où je reçois quelqu'un. On croit tout savoir à propos de nous-mêmes. Et c'est très perturbant pour quelqu'un qui est assis en face de nous et on lui pose la question, qui es-tu? Alors on commence par me dire, je m'appelle, disons, Brahim. Très bien. Mais si au lieu de Brahim, tu t'appelais Morad, ça aurait changé quelque chose dans ton moi interne? Non. Donc finalement, c'est juste un prénom. Après on me dit, j'ai essayé de faire l'exercice au fur et à mesure. C'est très perturbant. Je suis âgée de 35 ans. Est-ce que ton âge te définit? Est-ce que le jour où tu es passé de 34 à 35, tu es devenue une autre personne? Non. Donc ton âge ne te définit pas. Je suis le papa de, je suis la maman de, je suis patron de. Ça, c'est un métier. C'est un rôle social. Ce n'est pas toi. Alors dis-moi qui es-tu? Et donc ça continue pendant un moment, et la personne, elle est complètement perturbée parce qu'elle se rend compte que tout ce qu'elle croyait être, ben finalement, c'était pas elle. Parce qu'on est très peu de choses. Et là, on recommence l'exercice. Donc, qui on est vraiment? Et pourquoi c'est important de le connaître? Quand on est au clair avec qui on est, on est très clair à propos des limites. C'est-à-dire, quand je me connais très bien, je sais ce que je peux accepter ou ne pas accepter. Et quand on est au clair avec ça, quand je sais ce que je peux accepter ou ne pas accepter, ce qui se passe, c'est que je ne suis pas influençable. Steve Khmaré, tout à l'heure, il a parlé de concepts sociaux et de rôles sociaux et de idées préconçues. Alors, dès la naissance, ça commence avec mes parents, c'est « tu es méchant ». On va voir l'étiquette. « Je suis méchant ». Ce qui est dangereux avec cette histoire, c'est que toute notre vie, une fois qu'on a eu l'étiquette « tu es méchant », ça fait partie de notre identité et on va se comporter de cette manière-là pour confirmer que c'est vrai, que l'on est méchant. Ça, c'est des concepts. Quand on se libère de tous les concepts, et ça arrive à la fin de la séance, quand la personne elle est perturbée, elle est complètement chamboulée, je lui enlève tous ses repères. Non, tu n'es pas ton travail, tu n'es pas ton rôle social, tu n'es pas le papa de, le fils de. La bonne nouvelle, c'est que quand on se libère de tout ça, on peut s'autoriser à être ce qu'on veut. C'est ça la bonne nouvelle. Et donc c'est pour ça que les gens qui se connaissent très bien réussissent dans la vie. Parce qu'ils s'autorisent à être autre chose que ce qu'on leur a toujours dit qu'ils étaient. Aucun concept, vous savez, aucun concept ne peut vous définir. Le moi interne, il est immuable, il ne change pas. J'ai des émotions. Est-ce que je suis mes émotions? Non. J'ai des qualités, est-ce que je suis mes qualités? Moi, j'aime bien quand quelqu'un me dit « je suis une personne patiente ». Il vous arrive jamais de perdre patience? Jamais? D'accord. Donc, si vous perdez patience de temps en temps, c'est que vous n'êtes pas une personne patiente, vous avez de la patience. C'est différent. C'est des choses acquises par l'éducation, par le contact avec les autres, par le besoin de développer une compétence pour se protéger. Mais vous n'êtes pas ça. C'est perturbant, je le répète, mais encore une fois, c'est une opportunité, il suffit d'écouter. On peut être ce qu'on veut quand on se libère des concepts qu'on nous a inculqués. Donc le premier exercice à faire pour réussir dans la vie, c'est de se pencher sérieusement sur son moi interne, se connaître, connaître ses limites, et en même temps se libérer de tout ça et de tous les concepts qu'on nous a inculqués
pour s'autoriser à être ce qu'on veut. On a le droit et on peut être ce qu'on veut. Faites-nous rêver. Alors, en tant que yogi, j'avouerai que il y a deux concepts dans le thème qui ne vont pas dans le sens de ma quête. C'est combattre et futur. Enfin, ces deux concepts, chez les yogis, ça n'existe pas. C'est... Donc, combattre. On nous a fait croire, justement, parmi les concepts qu'on nous fait croire, c'est qu'il faut travailler dur pour réussir. C'est faux. Les gens qui ont réussi, ils n'ont pas travaillé tellement dur. Ils avaient de l'inspiration, ils ont cru en eux, ils ont réalisé quelque chose, et ils avaient un rêve. Voilà. On nous fait croire aussi que rien n'est facile, il faut se battre pour réussir. Réfléchissez deux secondes. Quand on se bat, qu'est-ce qu'on fait? On perd de l'énergie. Ça ne sert à rien de résister. On passe notre temps, au lieu d'avancer dans le projet, on passe notre temps à résister à des choses et à perdre de l'énergie à se battre. Dit comme ça, ça semble un peu absurde, mais c'est ce qu'on continue de faire tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce qu'on nous a appris encore une fois, pour réussir, il faut se battre. Qu'est-ce qu'ils disent? Enfin, je ne suis pas très bonne en anglais, mais no pain, no gain, c'est ça? Oui, c'est complètement, c'est n'importe quoi. Donc, ça, d'un autre côté, donc se battre, c'est, comment vous expliquer la chose? C'est l'action-réaction. C'est de la physique quantique. Si je suis là, moi je pèse 55 kilos, oui, après le style de vie que je mets. Donc si je pousse le mur dans la physique quantique, je lui impose une masse de 55 kilos, il me la rend de la même manière. Donc dans la vie, quand on est face à un projet, quand on est face à un obstacle, face à un problème, si on est là à résister, il y a l'action-réaction. Comme les portes cachent. Connaissez les portes qui ont fait cowboy. C'est en poussé ça, ça revient. Le seul moyen de réussir, eh bien, c'est de faire ce qu'on a à faire et de lâcher prise. Complètement. C'est le seul moyen de réussir. Le deuxième concept qui est le futur. Qu'est-ce que le futur? Est-ce que c'est réel? Est-ce que le futur existe? Le futur, finalement, c'est la spéculation. Comme moi. C'est quelque chose qui n'existe pas, qui n'est pas réel, qui n'est pas tangible. Le mental est très rusé. On se fait avoir par son mental. Quand je suis là, et j'ai un souvenir qui me frappe comme ça, je ne sais pas, je me rappelle un bon souvenir ou un mauvais souvenir, du passé, ça me donne un sourire, ou ça me donne envie de pleurer. Est-ce que c'est logique, sur le coup? Je suis en train de pleurer, là tout de suite, pour un événement qui s'est passé il y a 5 ans. Est-ce que c'est logique? Ou est-ce que le mental est en train de me jouer un tour? C'est pas logique. Vous êtes d'accord de pleurer pour quelque chose qui s'est passé il y a 5 ans? Là, tout de suite, sur le moment, il ne se passe rien. Je suis protégée. L'événement ne se produit pas là tout de suite. Donc, c'est réellement le mental qui nous joue des tours. Il faut être très vigilant. Le futur aussi n'existe pas, tel que le passé. C'est un concept, c'est une idée, mais ce n'est pas la réalité. Par contre, ce qui est vrai, ce qui est réel, ce qui est tangible, là où il y a toutes les solutions et toutes les possibilités, c'est l'ici, maintenant. Rien n'est plus réel que l'ici et maintenant. Les gens qui réussissent encore une fois dans la vie ont compris que tout se passe là tout de suite. Je ne me laisse pas avoir par les émotions du passé, les échecs du passé, ce qu'on a dit à propos de moi dans le passé. Je ne me laisse pas avoir par un rêve trop grand pour moi dans le futur en me disant « Bon, ça ne sera jamais possible, personne ne l'a fait avant moi. »
quand on est ancré dans l'ici, maintenant, tout devient possible. Toutes les solutions sont là. On est bien d'accord. Parce que si j'ai eu un problème, est-ce que je peux le résoudre en voyageant dans le passé? Non. Est-ce que je peux me propulser dans l'avenir pour m'assurer et garantir que j'aurai une solution? Non plus. Donc pour résumer, aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour réussir, pour aller de l'avant, pour construire son avenir, je n'ai pas le mot combattre ou se battre, donc pour construire un lendemain, le plus important, c'est d'être ancré dans son identité, être aligné avec ses propres valeurs, connaître ses limites, ce qui est OK pour nous et ce qui ne l'est pas, ce qui viole nos propres valeurs et le refuser complètement. Vivre écologiquement, c'est vérifier tout le temps ce que je fais, ce que je suis en train de faire, ce que je projette. Est-ce que, dans un sens ou dans un autre, il peut être nuisible pour moi ou pour les gens autour de moi? S'il est, je passe à autre chose. Parce que tôt ou tard, ça se retourne contre nous. Donc, il faut vraiment, quand on veut construire quelque chose, vérifier si c'est écologique pour nous et pour les autres. Être ancré dans son identité, lâcher prise. Mais du fun. On nous a fait croire que pour réussir, il fallait être très sérieux, très coincé. Non. C'est plus marrant quand on le fait en rigolant et en étant sage. C'est vrai finalement. Se libérer de tous les concepts. Vous êtes ce que vous choisissez d'être. Vous n'êtes pas l'étiquette qu'on vous a collée. Vous n'êtes pas ce qu'on a dit à propos de vous. Parce que pendant tous les ateliers que j'ai eus, franchement, ça m'a, avec la compassion que j'ai, ça m'a arraché le cœur d'entendre dans des exercices des jeunes raconter tout ce qu'on disait à propos d'eux, dans leur famille, à l'école. Les adolescents sont particulièrement cruels au collège les uns envers les autres. Alors toutes ces étiquettes, tu n'es bon à rien, tu as sale gosse, tu n'es pas intelligent, tu ressembles à ton père, tu viens le fils de ta mère, ce genre de choses. Et ce qui est dangereux, c'est qu'on utilise toujours le mot, enfin le verbe, ou l'auxiliaire, être. C'est ça. Et ça ancre ce genre de choses péjoratives et ce genre d'injonction. Ça devient un message contraignant pour nous. On devient ceci. C'est comme une prédiction. On nous a prédit qu'on était ça et on va le devenir. Donc libérez-vous de tous ces concepts. Soyez au clair avec vous-même, alignés et sans violence, dans le fun, dans la bonne humeur. Et je crois que vous arriverez à réaliser tous vos rêves. Merci. Je vais écrire un mot. Merci à Alimène. Un mot pisse, s'il te plaît. Merci à Iman, encore des applaudissements pour Iman.